bon, Nino l'a attrapé. C'est bien, Nino. Vas-y, Nino, viens. C'est bien. Bonne maintenant. Go. Cette maman qui attendait sa fille devant le collège s'est faite voler son téléphone. Il y a quelqu'un qui m'a volé mon portable. C'est mon devoir de l'aider. Je lui demande donc des renseignements. Il est parti par où, vous savez? La pauvre maman est totalement choquée. Je vais l'aider un maximum. Du coup, je prends le plus d'informations possible. Et il est habillé comment? Il est habillé noir. Attendez votre fille, moi je vais essayer de le retrouver. Je vais aller là-bas. Parmi le monde qu'il y a dans ce parc, là je vois un gars qui est tout seul. Je vais donc aller le voir. Alors là, on se rapproche avec Nino. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là-bas, le gars tout seul. Je suis sûr que c'est lui là-bas. Il est là-bas. On va aller voir si c'est lui. Il s'éloigne petit à petit, je sais pas où est-ce qu'il va. Ouais, ouais, excuse-moi. Ouais, bonjour. Excuse-moi. Tu peux t'arrêter deux secondes, s'il te plaît? Ouais, t'étais au collège, là? Ouais. Ouais, t'étais au collège. Ouais, je suis au collège, ouais, pourquoi? Ouais, ben parce qu'en fait, juste, il y a une dame, elle a perdu son téléphone. Tu l'aurais pas trouvé par hasard? Non, j'ai pas vu le téléphone, moi. Non? Il y a quelqu'un qui... Attends, arrête-toi un peu, s'il te plaît. On a vu un truc sur les caméras. Tu peux vider tes poches, s'il te plaît? Non, c'est pas moi, j'ai pas de téléphone. Vide tes poches, s'il te plaît. Vide tes poches. Vide tes poches.